La bonne étape de cette semaine nous emmène à Tournord. Nous sommes au centre commercial de l'Horloge. Nous allons découvrir le chef Benoît Sanchez. Vous le connaissez déjà, il gagne tout. Ses burgers ont une réputation à être récompensés. Des médailles et des médailles. Nous allons partir à sa rencontre. Son univers, ses burgers, sa cuisine. Le tour de main de la semaine sera consacré à la réalisation d'une sauce barbecue que vous allez pouvoir reproduire chez vous à la maison. Vous allez voir, ça va pimper vos barbecues de cet été. C'est parti, je vous emmène. Salut Benoît. Bonjour Mathilde. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. On est ici au Tatou et Toki, c'est ton restaurant. C'est ça. On parle un petit peu de ton univers. Mon univers, tatoué et toqué, hein. Ouais. Un peu Marvel, un peu donc américain, japonais aussi, parce que je suis fan de Goldorak, fan de, voilà, de plein de choses des années 80. Tout... T'es resté un peu un enfant? Ouais, ou... c'est ça. Au fond, j'ai ma chambre, j'ai mes jouets. Donc, T'as ta chambre, t'es joué dans ton restaurant? C'est ça. C'est un univers qu'on va retrouver dans ta cuisine? Oui, ouais. Complètement toqué. Ouais. Alors, tatoué et toqué, tatoué parce que t'en as, t'en as partout. Donc toqué pour la toque de cuisine et toqué dans mes recettes. Donc voilà, je suis un peu, je pars des fois dans des délires. Dans des délires, mais qu'on a quand même une structure qui a un fil conducteur. Voilà, c'est le local au possible, tout maximum. Ce que tu peux faire en local. C'est ça. Quand on rentre, on a un super mur terre exotique. Alors les épices, hein, forcément, en Touraine, c'est pas, ça pousse pas naturellement. Mais on a Erwan de Kéros qui a créé Terre exotique et tu cuisines beaucoup avec. Beaucoup avec, ouais. Ouais, ouais, j'utilise beaucoup ça en cuisine. Ouais, c'est ton petit péché mignon, ça, d'utiliser ça. C'est bon. Aussi mes jouets quand je vais là-bas, c'est un peu t'as un magasin de jouets pour moi. T'as tes jouets à toi ouais. Ici et puis t'as ta Terre exotique c'est qui ça. Fait des jouets. Bon, on en parle, on en parle. Tu nous emmènes en cuisine, on va bosser on y va, un peu. C'est parti. C'est parti. Ouais. Benoît, on est rentré dans ta cuisine. On a une quantité impressionnante de patates. Ouais. Ça, c'est pour quoi? Un service? Pour la journée, ouais. C'est pour la journée? Ouais. Midi et soir, aujourd'hui? Midi et soir, c'est ça. Ok. Ça représente combien de patates sur... Je passe une tonne à peu près par semaine. Une tonne par semaine? Ouais. Quand tu fais des événements extérieurs, un peu, là, tu arrives à passe passer... Je passe à 3-4 tonnes. 3-4 tonnes ouais. De patates ouais. T'as un super fournisseur qui te fait un super prix. Oui, c'est ça. J'ai trouvé. Bon, on travaille un peu. Ouais. On se lance la séquence du tour de main maintenant, parce qu'on va vous apprendre à faire une sauce barbecue. Chez vous, à la maison, c'est utile pour tout. Le poisson, les viandes, les barbecues, cet été, ça va être génial. Comment on fait, Benoît? Donc, c'est très simple. Donc, pour la barbecue, on a besoin de... Là, je prends de la purée de tomates, parce que c'est pas la saison des tomates. Mmh. Quand ce sera la saison, on prendra des bonnes tomates bien, avec une chair bien ferme. J'ai du vinaigre balsamique, je mets de la bière brune locale, de l'oignon rouge. Ouais. J'ai du sucre roux, de la moutarde, j'ai du cumin, paprika fumé et mélange du trappeur. Bon, bah c'est parti, on se la fait. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on commence par faire? On va éplucher les oignons rouges. Donc là, sucre roux pour... caraméliser un petit peu, voilà. Ta cuisine, elle est comme ton univers, c'est un côté un peu enfantin, régressif. C'est ça. On a besoin de se sentir bien. Je change mes cartes tous les 3 mois, donc ça me permet de pouvoir changer. Et comme j'essaie de travailler les produits de saison, donc le but, c'est de travailler du local et de chercher les producteurs en 3 mois, c'est dur. Donc voilà, après, c'est pas évident de travailler les... Trouver surtout les bons mariages, parce que je fais pas mal de tests, et des fois, j'ai des mariages qui matchent pas, donc c'est pas évident. Donc les oignons commencent à caraméliser, donc là je vais arrêter. Je ne veux pas non plus apporter une amertume à la sauce barbecue. Donc je vais déglacer au vinaigre balsamique. Donc là, on ramène juste le petit côté acide mais qui reste un sucré sur le vinaigre balsamique. Ouais, c'est le vinaigre balsamique. Donc ensuite on va mettre la tomate. Pareil, la tomate, c'est pas encore la saison des tomates, mais soit on se fait les conserves l'été quand on a, quand on a un peu de temps, sinon on a aussi des marques qui font du très bon concentré de tomates. J'ai pris une bonne conserve, là. Voilà, on s'en sert aussi. Là. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre tous les autres ingrédients. Ouais. Donc la bière brune, ouais. Une stout, pour amener un petit côté corsé un peu. Je rajoute la moutarde. Terre exotique. Terre exotique, donc moutarde aux épices grillées. Tu rajoutes là, du coup, c'est quoi? Du cumin. Du cumin. Ouais, un tout petit peu de cumin. Donc là, je mets du mélange du trappeur. Ok.
paprika fumé pour le dernier. C'est ça. Ça n'apporte pas de puissance, mais ça apporte une vraie complexité aromatique. C'est très intéressant. La sauce en elle-même, elle est finie. On laisse mijoter pendant une heure. C'est ça, exactement. Okay. On met sur le côté et on laisse une heure mijoter. On revient à notre préparation du départ. C'est ça. On n'a pas fait le tour de tes ingrédients pour un bon burger. Tes pains. Toi, t'es là tous les matins à 4h. C'est ça. Donc, je fais mes pains. Mais c'est véridique. T'es vraiment là. C'est véridique. Ah, bah, ils peuvent aller voir sur les réseaux. Ouais, t'es là. Je fais des vidéos avec la musique un peu. Je mets de la musique un peu métal parce que je suis fan de métal. Donc, pour que le pain pousse, ça aide à pousser. Le bœuf, c'est pas local. On essaye de faire au mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Ouais. C'est français quand même. Tu vas dans le Nord, c'est ça? C'est ça. C'est français. Quand je trouve pas ce que je veux en local, qui me convient pas forcément, là j'ai découvert ça sur un salon, donc c'est un éleveur. Je travaille directement avec l'éleveur et il fait de la salers angus, donc c'est un croisement. Du salangus, exactement. Et là, donc j'ai travaillé avec lui avec un taux de matière grasse qui est de 20%. Et je trouve ça hyper important parce que ça apporte le goût, ça apporte la caramélisation de la viande, ça apporte pas mal de choses. La caramélisation de la viande, c'est la réaction de Maillard, c'est ça? C'est ça, l'effet Maillard. C'est quand tu mets ta poêle très chaude et que tu mets... C'est ça, sans matière grasse, c'est le gras de la viande qui fait la caramélisation. Après, on passe au fromage. Ouais. On n'a pas précisé, mais c'est un burger, c'est le tourangeau qu'il y a sur ta carte, je parlais du rillon, du sapin. Ouais, il s'appelle toujours le tourangeau ou tu lui as trouvé Hambourgeois, c'était. Hambourgeois. Voilà. C'est un mélange d'hamburger et tourangeau. Fromage de chez Rodolphe Lemeunier. C'est ça. Local. Local. On ne présente plus Rodolphe. Il est meilleur ouvrier de France en fromage à affineur. C'est ça. Les rayons, tu te fournis où? Chez moi. Chez moi. C'est moi. C'est toi qui les fais. Ouais, je prends une poitrine de roi rose de Touraine. Ok. Voilà. Comment tu fais? Ça prend du temps, ça. Alors moi, je les cuis entiers. Je les coupe pas en rayons. Par contre, je garde la poitrine entière, je les désosse. Je mets 24 heures au sel. Et ensuite, j'ai des salles et je les cuis tranquillement dans le saindoux. Pendant combien de temps? Ça cuit entre 7 et 8 heures. Donc, on est en train de dire, là, depuis tout à l'heure, on parle de burger, on est dans un restaurant de burger. Et dans ton discours, on comprend que tu es cuisinier et que tu cuisines. C'est vraiment une cuisine. Mmh. La moutarde. Et là, c'est la moutarde aux truffes. Moutarde aux truffes. Voilà. On se le montre, ce burger? Ouais, c'est parti. Donc là, les pains, ça y est, caramélisés, voilà. Juste pour avoir le croustillant. C'est ça. Et puis faire ressortir le côté un peu beurré aussi. Il y a une odeur de beurre qui se dégage dans cette cuisine. Beurre local, hein. Ouais. C'est les tris de vermeil. C'est ça, exactement. Tac. Donc je ne cherche pas forcément que ça soit trop cuit. Je vais quand même garder de la matière, je veux que ça reste croquant. Le confit d'échalote, ce qui t'intéresse, ouais, c'est le croquant. Ouais, c'est le croquant. Donc là, ensuite, je vais mettre la moutarde. Toujours pour avoir cette complexité de puissance aromatique. Exactement. Moi, j'en mets pas beaucoup parce qu'après, la truffe est très, très forte. Mon estomac est en train de dire, Mathilde, donne-moi à manger. Ça sent divinement bon dans cette cuisine. C'est extraordinaire. L'étape d'après, c'est de... La cuisson du steak. C'est parti? C'est parti. Tu peux me passer le sel et le poivre qui est là-bas. Le sel et le poivre. Donc c'est un mélange de sel et de poivre de blanc de penja. Terre exotique. Voilà. Que je hache au mortier. Ça, c'est toi aussi qui fais, puisque Terre exotique te le vend en séparé. C'est que tu fais ton mélange toi-même. Je fais mon mélange, ouais. Donc là, on retourne. Voilà, on va couper le saintement. Je le coupe. Si tu veux. Tiens, il est là. Tu le sers. Et là, ce que je fais, c'est que je le mets sous la salamande. Pour faire fondre un petit peu le fromage. Exactement. T'as mis tes rayons à griller. À snacker, ouais. Donc, les rayons sont prêts, les steaks sont prêts, l'échalote est prête. Attends, c'est fort. On va faire le montage. Donc là, on commence par les échalotes, mes pickles maison. Donc là, on a mis les rayons. Ouais. Donc le steak avec le Sainte-Maure. Voilà. Ensuite, je reprends la petite moutarde. Pour mettre juste sur le chapeau. Ah, bien un petit peu de puissance. C'est ça. Celle-là, on l'a dessous, mais on l'a pas dessus. Et ensuite, je mets une petite roquette. Donc, j'aime bien la roquette, ça ramène un petit coup poivré, un peu de force au burger. Nos burgers sont prêts? C'est prêt. Donc la sauce barbecue, elle est mixée. On va la débarrasser dans le petit pot. Donc là, les frites sont nickel. Donc on les égoutte bien. C'est une frite, je coupe en rondelles. Je voulais pas faire comme tout le monde.
et ça apporte plus de matière. Bon, c'est mange ce burger. On y va, c'est parti. Je te laisse prendre le deuxième. Ouais, il y a une frite qui a glissé juste là. C'est bon, moi. C'est magnifique, en tout cas. C'est vraiment merci. Beau. Ça sent hyper bon. Tu es plein, complet à tous les services. Ouais, c'est ça. Faut vraiment réserver oui. 2 semaines à l'avance, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Pour les week-ends. OK. Encore une fois, merci à toi, Benoît, de nous avoir reçus. Je vous remercie de nous avoir regardés. Venez tester les burgers pour ceux qui sont sceptiques. Et pour les autres, venez encore vous faire plaisir et encore vous faire plaisir. Et moi, je vous dis à très, très vite dans une prochaine bonne étape. Et je vais m'empresser de manger mon burger.